C'est pas mal. Un peu déçu quand même. Là, c'est pas. Il me faut vraiment pas mal de carapace et de griffes. Et les griffes en particulier, c'est difficile d'en avoir à part en dépeçant. Donc chez Lysère, on est bon. Pointe, il m'en faut une, c'est bien aussi. Chez Lysère, on a dit. Griffe, donc ça m'en fait une. C'est pas top. Donc là j'ai deux possibilités, côté route, pour en avoir plus. Soit je continue les quêtes jusqu'à avoir accès à une quête qui nous fait affronter deux Nersilla. Je pense que c'est ce que je vais tenter ce coup-ci. Sinon c'est refaire cette quête-là, mais c'est possible qu'il y ait encore besoin de la faire deux fois. Bah, élément, il y a aussi le fait que streamer du Monster Hunter, c'est pas facile. Hop, il faut quand même la carte de capture, donc je suis sûr qu'il y a des gens qui seraient intéressés, mais qui peuvent pas. Ouais, c'est décevant quand même le loot Nersilla. Je vais aller manger pour la défense. Hop, est-ce qu'il y a besoin. Tac, livraison, non, multiplier. Oui, élément, là je fais un speedrun, donc oui, c'est toujours recommencer une partie. Et faire le plus vite, du début jusqu'au Shagaru Magala. Juste pour voir, j'avais pris des notes. L'entraînement, donc avec cette route là, j'avais tué le. Ouais, j'avais fini mon armure juste après cette quête là en 2h38. Donc avec les combats de Nersilla en plus pour avoir tout l'équipement. J'y suis pas encore pour ça. Ah. Ouais, je risque de faire moins bien qu'à l'entraînement. Et cette fois, ça serait quand même bien de pas mourir contre ça.
bien. Ouais. Pour une fois, j'ai réussi cette esquive. Ça par contre, c'est d'un autre niveau esquivé. Mais comme je le dis toujours, la première mort, je la veux bien. Ça me permettra d'aller récupérer plus de munitions dans la cale. Voilà. Vu que la... on peut pas aller d'ici jusqu'à la cale, faut mourir pour y aller. C'est bien fait. Donc voilà, 9 munitions. Ouf. Après, il va se mettre devant. Allez, on bouge. Ouais, je peux peut-être... Ouais, où qu'il est ? Ah. On va se calmer avec les dégâts de folie. Bon, j'aimerais pas mourir une troisième fois. Voilà. Je savais bien que le côté dégâts était bon. Non, j'ai des Kassans, c'est un trigger un peu bizarre. Faut qu'il ait fini une de ses séquences, qu'il se soit reposé sur le pont, et effectivement que je lui fasse encore un coup, après avoir atteint le palier de dégâts nécessaire. Ouais, on va faire ça, je vais... Donc là, je pense qu'il me faut une ou deux quêtes de plus pour avoir un accès à la quête du double Nersilla. Donc je vais faire ça. Donc je vais faire des quêtes pas très optimisées, vu que j'ai une arme qui commence à devenir un peu mauvaise. Mais bon...
Dans les options, il y a la possibilité de passer les dialogues en rapide. Et après, on massacre le bouton A. Donc, maintenant, shopping. On veut des potions, des antidotes par milliers. Et on va manger avant d'affronter le Kangalala. Insomniac, non. Ça pourrait être utile, déflecteur. Là, je vais commencer à avoir une arme qui va passer beaucoup en jaune. Tac, donc on pose toile d'araignée, les herbes. Et maintenant on reprend côté piège. Et d'ailleurs, on doit avoir maintenant. Tac. Un peu plus de miel pour les méga potions. Ça va, côté piège on est pas mal pour les pièges à fausse. Voilà. Ouais, on est bien côté piège. Plantasse. Non. Minerai de fer, j'en ai plus besoin. Donc c'est parti. Non, pas tranquillisant, je suis bête. Voilà. Ok, je fais n'importe quoi, mais c'est tout. Hop, salut Jonathan Jag. Comment ça pour avoir du miel? Il donne une livraison qui permet de débloquer les ruches moga et les ruches moga permettent de multiplier les insectes et le miel. Qu'est-ce que je fais? C'est ration qu'il me fallait. Et voilà un aiguisoir qui part dans le vent. Donc il me faut encore un cuir Slactos pour mon équipement. Donc s'il te plaît, petit Slactos. Non, pas toi là-bas. Allez, un cuir. Je crois que c'est 20% de chance, quelque chose comme ça. S'il te plaît. Cuir, pas huile. Allez.
Ouais, c'est ça le plan. Oh, pas le moindre. Je sais pas du tout où il y a des slactos à part ici, donc ça va être drôle. Pardon. Ouais, j'en trouverai sûrement d'autres dans cette zone de toute façon tant que j'ai pas fini côté armure, c'est pas la première urgence. Oh, ça commence à m'embêter. Ah ouais, celui du Gormagala, il est très bien. Mais bon, vu que je vais affronter le Gormagala qu'une seule fois, ben voilà, ça va être difficile. Soit j'ai exactement ce qu'il me faut après l'avoir affronté, et soit je le ferai pas. Donc, les probabilités me disent que je le ferai pas. Allez, ici. Tu sautes. Bien. Presque. Voilà. Mais sérieux? Moi, je veux bien faire le combat en haut, hein, mais t'arrêtes. Bon. Il arrête d'esquiver mon insecte. Je vais mourir. Pas encore. Si ça m'avait touché, je serais mort.
Hop, il part en 5. Et si on évitait de mourir ? Voilà, bon, on va préparer la capture. Hop. Merci pour le follow, Shadownet. Il doit être en 6. Est-ce que j'ai le temps d'aller retourner? Non, j'aurai pas le temps de retourner taper un Slaktos. Bon, est-ce que c'est tout de suite qu'on accède à la quête Merci là ou pas?
J'aimerais bien. Le plus tôt sera le mieux. Voilà, ça on est bon, on va voir tout de suite ce qu'on a accès comme quête. Non, déjà plus proche. Là, ça... bon, je vais faire celle-ci. Si avec après celle-ci, j'ai toujours pas ma quête double Nercy là, je referai la. Je referai la vieille quête. Le médecin. Je referai la vieille quête Nercy là jusqu'à avoir mon équipement. Parce que sinon, je vais commencer à vraiment prendre du retard à faire des monstres trop lentement. Stock de bombes. Il faudra sûrement que je fasse des plantes à sève juste après. Et ouais, mais Box Boy, non, je l'achèterai jamais. C'est dommage. Ouais. Pas exactement sûr si jamais elle est pas la quête double Nercy là et pas juste après celle-ci. On sait qu'il doit falloir faire vraiment des quêtes en plus. Donc je ferai la. Ah. Donc je ferai la vieille. Hop, salut diamant jaune. Merci pour le follow, Mister Constitution. Bon, donc là, on aimerait bien aussi éventuellement obtenir des croix aiguisées sur les amites.
Il est beau ce Zamtrios quand même. Et là, sans mon upgrade d'arme, je vais rebondir de partout. Wow. J'aurais peut-être dû faire la quête Nersila avant ça. Uh-huh. Parti. Et ouais, commence à y avoir du monde, on dirait. C'est cool. Là, avec cette arme, je vais être obligé de déguiser vraiment toutes les 3 secondes si je veux pas perdre de DPS. Oui, bah voilà. On va perdre le... Ça aurait été génial pour frapper là, mais avec du tranchant jaune, je peux pas. Le rouge. C'est le moment déguisé, si tu me regardes pas. Non. Non mais arrête.
Non, ça faisait un moment que j'étais pas mort, on va dire. Ouais. Normalement, à ce point-là, j'ai de l'armure et une arme un peu mieux. Mais bon, on improvise. Tiens, bombe de boost gratuite, ça c'est cool. Ça peut être utile. Il est parti et il n'y a pas de zamite ici. Bon. Allez, tu sors. Maintenant, tu sors. Non mais tu fais rien à part me faire perdre la moitié de la vie en un coup. Ce qui sert à pas grand chose. Quelqu'un pour me libérer avant que je me fasse tuer, s'il vous plaît. Allez. Voilà, pas moi. Tu me laisses tranquille.
On n'oublie pas que, mine de rien, le loot du Zamit m'intéresse plus que celui du Zamtrios. Donc là, c'est le Zamtrios, je pense que je dépèse. C'est possible, c'est à étudier. Après, toutes les quêtes à cuir charnu, ça m'intéresse pas. Où il y a deux monstres plutôt qu'un, elles sont toujours... Tac, les monstres sont toujours beaucoup plus rapides à tuer. Ils ont moins de PV. Bon, on va faire sans l'avrombara confus, je pense, vu que je n'irai plus dans la mer de glace. On va faire sans. Ouais. Dommage. Mais bon, ça c'est pas un truc obligatoire. Par contre, les machins que j'ai à looter sur le Nersilla, ça c'est obligatoire. Donc on va voir tout de suite si je l'ai. Enfin, tout de suite, d'abord on va aller faire la suite de l'histoire là-bas. Avec mon talent, j'aimerais bien perception. Enfin, quand même, avec mon armure. Allez, hop. D'ailleurs, je devrais peut-être pas les récupérer, vu que je vais pas les utiliser. Malin. Allez, on va voir. Mais bon, merci là, c'est plus pour l'arme que pour l'armure. Eh ben, on va refaire celle-ci. Bon, maintenant on saura. Mais je sais qu'il y a cette quête. À moins que peut-être... Des collecteurs, des passeurs... Donc non, rien pour avoir plus de loot. Donc on est parti pour tuer l'inertie là. Hop. Salut Picaros et merci pour le follow. Petite multiplication, je suis encore bon. Donc c'est le moment où on va perdre du temps dans la run. On va farmer du Nersilla. Quoique, on pourrait même dire que l'armure, elle est superflue. Allez, si j'ai de quoi faire mon arme, j'arrête le farm. On va tenter en allant vraiment au minimum côté armure. Mais l'arme, c'est indispensable. Bâton d'os. Ouais, avec une amélioration. Allez. Tu viens, j'ai pas que ça à faire. D'accord. Non mais arrête d'esquiver mon insecte à chaque fois. D'accord.
sérieux. On est pas mal sur les montées. L'objectif c'est quand même de faire l'objectif secondaire. Et pour ça, faut lui massacrer le dos. On va se planquer un peu. Ouais, monter c'est pas mal comme idée. Non, il fuit. Bon, donc là, l'objectif minimum pour que je sois content, c'est encore deux griffes, deux carapaces et une pointe. Si j'ai plus, forcément, je serai content. Non, la capture ça m'intéresse toujours pas.
Vu que c'est toujours des trucs que j'ai plus de chances d'avoir avec un dépeçage. Faut vraiment que j'ai tout là. Sinon je commence à perdre trop de temps. Allez, on va dire qu'on arrive à le tuer avant de mourir du poison. Voilà. Elle est où l'étoile? Elle est où l'étoile? Elle est là. Bon, vous priez avec moi. Ça, c'est rien du tout. Une carapace. C'est surtout les griffes qui me font peur. Je lui sers. Carapace, c'est tout bon. Il me manque deux griffes. Allez. On va lancer mon petit logiciel, vérifier. Hop, les probabilités d'avoir des griffes. Oh, merci, elle aime bien. Ouais, je promets pas que ça soit pour, que j'utiliserai ça pour hop, pour Box Boy. Alors, les griffes, merci là. Allez, Chélissaire, Chélissaire. Sérieux. Et pointe. Bon bah donc faut que je la refasse vu que j'ai toujours pas eu mes deux griffes. Et ouais, j'ai pas d'autres possibilités. Mais je devrais l'avoir la quête tenir à un fil. Non, je la vois pas. Bon bah. On enchaîne, on enchaîne. Avec sa peur. Donc vive la RNG. Déjà si je peux avoir éviter d'avoir un super Nercy là. Allez. Allez. Sérieux, t'arrives à te mettre à l'envers toute seule là-bas.
Mais personne joue à Box Boy. Pourquoi j'ai autant d'étoiles ici? Donc, pour avoir les griffes, il semblerait que la seule méthode à part le dépeçage qui marche, bah, c'est lui abîmer les griffes. Mais qu'est-ce qu'une griffe exactement? Ça, je sais pas. Al Laboratory, comme s'ils avaient déjà fait un bon jeu dans leur vie. Donc, qu'est-ce qu'une griffe sur Nersilla? Est-ce que c'est les mandibules près de la tête? Ou est-ce que c'est les bouts des pattes? Là est la question. Hop. Merci pour le follow. Allez! Allez. J'ai plus de boisson énergétique. Et ben j'espère que c'est pas le... J'espère que c'est pas le mandibule près de la tête, vu que là, même en tranchant vert, je rebondis. Casser un truc. Pas sûr que ça soit une griffe.
Bon. Au moins, c'est sûr que je l'ai fait de plus en plus vite, ces merci-là, à force de connaître. Mais là, si j'ai pas les griffes ce coup-ci, je sais pas ce que je vais faire, franchement. Il m'en faut deux. Juste deux griffes et deux minerais de fer. Ouh, attends, minerais de fer, je les ai pas tous dépensés. Bon, il me faut encore une griffe. Dites-moi que c'est bon que j'ai une griffe de plus. Et vite, allons voir minerais de fer. Ok, ça devrait être bon pour minerai de fer, peut-être. C'est bon. Priez avec moi que j'ai une griffe. Une. Allez, une griffe. Chélicère, carapace, carapace, pointe, griffe. Ok, on est bon. J'en ai 40. Pourquoi c'est comme ça? Là, j'ai dû faire deux combats en plus. Et ce combat-là, j'en obtiens 18. Oh là là. Oh oui, Glenzarg, je suis un gros joueur Europa Universalis et des jeux comme ça, je t'assure. Hop, j'ai dépassé les 400 heures sur Crusader Kings et je peux encore beaucoup y jouer. Bon, allez, séance de craft. C'est au glaive furtif. Donc oui, j'ai 6 griffes alors qu'il m'en faut 3, c'est le lol. On équipe, je peux maintenant m'en crafter 2. Alors, torse, j'ai mon torse. Merci là. Ça c'est bon. Bras, qu'est-ce que je peux me faire de mieux? Bon, je peux me faire des bras merci là aussi, tant qu'à faire. Oh non, moi je le joue vanilla. Bah surtout le 4, j'ai pas encore pu beaucoup y jouer. Oh, et puis même le home, j'ai presque un 7 merci là. J'aime pas modder mes jeux tant que j'ai pas fait le tour de la version vanilla. Et pour le coup, faire le tour de la version vanilla Europa Universalis, c'est quand même quelque chose de plutôt long, faut reconnaître. Alors, statue gourou, c'est bon, donc j'ai même pas besoin de fermer mon truc de Slactos. Alors. Donc c'est bon, on est parti et j'ai. Donc maintenant on va refaire des plantes à sève. Là, on est totalement équipé. Marchand. Et on fait les méga potions. Les pièges, on les a. Donc c'est parti. Allez. Je vais avoir une heure d'avance, grosso modo. J'ai pas mangé. Hein. J'ai pas mangé. C'est pas grave.
Non, là c'est bon, Picaros, j'ai tout ce que je voulais. Et puis je suis très classe. Je préfère les sets totalement mélangés qui ressemblent à rien du tout. J'avais fait un run, je crois que c'était celui de dimanche dernier où j'étais. Hop, tiens, on va prendre ça qui est rare. Lire x3, non, en fait. Non. Où j'avais une moitié d'armure Gypseros. C'était classe. Ouais, le subset il va se faire. Petite pause boisson. Et j'aimerais bien viser le sub 6. Allez. Donc maintenant, faut que je fasse du doré de partout pour montrer bien que cette arme est rentable. Si je me rappelle bien, lui, c'est avoir du blanc où je galère. Un peu loin. Ça j'aime pas. Voilà. Parfait. Et moi parfait, on va se soigner. Thank you.
un peu rebondi loin. D'ici le prochain combat, il faudrait que je pense à mettre des sphères d'armure maintenant sur mes nouvelles pièces. Par là. Ok, c'est l'info qu'on voulait. Ici. Non mais t'es dessus là, c'est... Non mais... T'essayes de me troller, mais là, piège. Toi, tu surpièges. Bon. Voilà. Bon, on a un split à 32 minutes, mais c'est un gain de temps. On n'y croirait pas. Vraiment. Oh, charme, ça me... Avec de la chance, beaucoup de chance. Ah oui, là franchement, moi je pense que c'est un gain de temps. Là finalement, j'ai perdu 11 minutes avec mes farms, c'est tout. 11 minutes perdues alors que j'ai dû affronter deux Nercy là. Oui, bah anti-fury plus 1. Non, ça va me servir à rien. Donc... armure, on est dit. Donc maintenant, taille, éventuellement, je peux aussi l'améliorer. En fait, je peux peut-être faire l'armure complète, merci, là. Non, pas la complète. Oh, mais si je peux me faire les jambes en plus, c'est parfait. Ça veut dire quand même que j'ai... Ouais, c'est mieux quand même. Et jambes Tetsukabra. Ah, j'ai quand même une super armure. Améliorer, bon, on va tout améliorer. Autant qu'on peut. Tac. Ah oui, là. Oui, bon, glouton, ça c'est pas top, mais j'ai maître piégeur en plus. Donc je peux poser mes pièges plus vite. Qui est-ce qui me donne. Ah, ça se trouve, la quête qui me manquait, c'est. Attendez, là, qu'est-ce qui me manque. Il me manque un truc là.
Qu'est-ce qui me manque? Ah, il manque un truc, je sais pas quoi. Qu'est-ce que j'ai oublié? Quoi? Fallait que je reparle qui me donne une quête Ratian? Ok. Bon, bah voilà. Quoi, stream offline? Non, c'est pas stream offline. Bon. Là, c'était pas logique comme trigger, mais tant pis. Allez, 1h13, on tente le sub 6. Le sub 6, le sub 6. Elle est belle quand même, l'armure Ursula. Là, elle est pas complète, mais j'aime bien. Derrière. Pour le coup, contre ce Gormagala, on risque de se faire tuer, donc autant avoir de quoi se soigner. Je suis en train de réaliser, je suis débile d'avoir fait toutes ces pièces Nercy là, ça va peut-être m'empêcher de faire l'amélioration de l'arme que je voulais faire. J'ai pas fait attention aux pièces demandées. Non, je vais... On va faire classique. Ah, je crois que je vais peut-être pas pouvoir faire l'amélioration de l'arme ce coup-ci. On va voir. Aïe.
Soignons-nous avant de mourir. Comme je disais, on peut mourir et il faut se soigner. Bon, pourquoi tu me dis stream offline? Dites-moi, vous avez des coupures du stream, même un peu l'image ou quelque chose? Oui, non, c'est... doit juste y avoir un timer et un palier de dégâts, encore une fois. Donc là, j'ai fait le palier de dégâts, donc pour le coup, mourir, ça m'a pas fait perdre de temps. Enfin, j'ai un peu... Non, ils vont quand même... voilà, maintenant ils vont marcher, donc oui, là, mourir, ça fait pas perdre de temps. Ok, c'est juste mon logiciel de chat qui me dit n'importe quoi. Tant mieux. Voilà, là, faut juste les attendre. On va voir les vélocidromes. Enfin, vélociprès. Pas d'autres trucs à nectar. En voilà deux. En voilà trois. Quatre. Et 5. Et j'ai plus de pioche, mais on s'en fiche. Voilà du nectar rare. Bon bah, il n'y a plus qu'à attendre l'autre. Allez, on arrête de crier.
je vais quand même me soigner légèrement. Et non, j'avais déjà atteint le palier de dégâts, donc... donc c'est réglé. Tu arrêtes. Bon, je vais vérifier tout de suite pour les histoires d'armes, si j'ai carrément loupé mon amélioration. Parce que là, je vais pas raffronter le Nercy là, bizarrement. Ça me motive pas plus que ça. Juste pour une upgrade qui améliorerait les dégâts de 10%. Savoir tout de suite. Et ben on va commencer ça. On va commencer par baisser la vitesse. Donc, 3 bécoques, 3 verres. De toute façon, j'ai pas tellement le choix des nectars. Hein. Là, le plus important, c'est d'améliorer l'insectoglaive. Donc non, j'ai encore toutes les pointes qu'il me faut. Eau de wyvern petit. Ouh, ça, j'ai pas assez d'eau de wyvern. Faudra que j'essaye d'en farmer. Donc non, là, ce coup-ci, côté... côté bidule, je suis bon. Donc il va manquer les hétérocytes et les... Donc, je suis encore comme il faut. Soigneur. Non, lui, on va quand même augmenter un peu la défense avec acrobate. Ça serait bête de trop mourir sur lui. Ça fait un moment que je suis pas allé le voir. Des baissons en plus, mais bon. Normalement, on devrait s'en passer. Donc, Code Wyvern, ça tombe bien. Là, des eaux, on doit en trouver un peu partout dans cette zone.
Vas-y, lance-moi des clous. J'avais pas une bonne bouse. Non mais va-t'en. Oh. J'esquive, mais il esquive dans la même direction que moi. Allez.
Et ben on va commencer à le marquer. Sérieux, arrête de faire ça. Et les jockeys qui s'y mettent. Là, aiguisé commence à devenir urgent. Et ouais, ne pas pouvoir bouger quand je me prends une attaque comme ça. Non mais sérieux. Déjà?
Je pense qu'il l'a cherché. Oui, là, il peut encore largement être atteint. Non, là, décidément, j'arrive pas à voir sa tête. Donc, s'il te plaît, tu te... Oui. Ah bah, voilà. Maintenant que j'ai plus de vie, j'ai sa tête. Est-ce que tu fuis tout de suite? Non. Nectar, nectar. On dirait pas. Bon, bah du miel.
Alors, il me faut 5 carapaces, une antenne. 1, 2. Une antenne. 3 carapaces. Bon, bah non, la voile, par exemple. J'ai eu beaucoup de loot, mais pas les 5 carapaces qu'il faut pour faire l'arme Gormagala. Ah oui, on va à Ars. Tout de suite. Ouais. Ouais, il va se faire. On va mettre les sphères d'armure qu'il faut. Voilà, la 19, je suis bien, on va refaire du miel. Ouais, lui, on va mettre les dégâts. Des dégâts. J'ai plus de tranquillisant. Maintenant, j'ai plus besoin de minerai de fer. C'est pas top, ça. J'ai plus que 10 bombes tranquillisantes, donc de quoi faire 5 captures. 5 captures, et il me reste 1, 2, 3, 4, 5. Comment ça capturer? Bah non, en fait, c'est parfait. À moins que je lance des bombes à côté, j'ai exactement le bon nombre de bombes tranquillisantes.
Bon, au moins à l'entraînement, on a vu la technique pour le Gravios à l'insectoglaive. On va lui mettre des bombes barils dans les pattes.